en direction sud, en contact avec l'élément eau. Positionne-toi de façon confortable et respire profondément. Ferme les yeux. Respire et donne l'attention à les sensations en ton corps à partir de la respiration. Respire. Respire le mouvement de la vie. Sente les ondes qui traversent ton corps. Les vibrations qui traversent comme les ondes sur l'eau, comme les vagues. Respire la musique de la vie. Nous sommes la vie en mouvement. Tout change toujours. Nous sommes l'équilibre en mouvement. Tout une transformation. Le chemin de la vie, c'est le chemin de la transformation à chaque pas, à chaque instant. Chaque fois que tu respires, tes structures sont renouvelées. Tu n'es pas la même personne, le même corps, les mêmes émotions d'hier. À la matin, avec ta première respiration, tu as changé. Tu es la transformation éternelle. Nous sommes les moments présents qui changent toujours. Je ne suis pas l'enfant. L'enfant est mort pour donner l'espace, l'énergie, la vie à l'homme que je suis. L'homme que je suis mourira pour donner l'espace à la nouvelle expression humaine de moi sur le chemin de ma vie. Nous sommes la force de la transformation, la joie de la renaissance. Respire et sens l'énergie. Que le cœur de la galaxie te donne la force noire du rêveur, le rêveur de l'univers, le rêveur de toi-même, le créateur et son amour pour toi. La lumière noire avant de devenir en toutes les couleurs, en toutes les expressions lumineuses. C'est le pouvoir créateur sans expression. La force,
l'amour inconditionnel, la passion sans expression, l'explosion extatique en chacun de la renaissance, de la transformation complète. À chaque pas sur la vie, c'est là, ça y est, c'est nous, les meilleurs conseillers qui nous donnent les conseils de n'accrocher pas les formes, de n'accrocher pas notre vêtement, de n'accrocher pas l'idée de nous-mêmes, la personnalité. D'arrêter de dire « je suis comme ça », ça c'est uniquement une expression de toi. Tu es libre, c'est le chemin de la liberté de toi-même et toutes les idées que tu accroches. Nous accrochons les idées pour créer un instant. Quand l'instant est fini, nous sommes libres. Sans le pulse, la vibration des désirs profonds de la vie, les désirs de te reconnaître en chaque expérience, de te comprendre à chaque moment. Respire, sens la lumière. La lumière sur ton premier, sur ton deuxième chakra. La lumière orange. La lumière dorée de ton cœur. La lumière noire à l'intérieur de ton cerveau, elle se révèle. Pour ouvrir les chemins de ta vie en pleine liberté. Et sur les chemins de la vie, nos ancêtres marchent avec nous. Pour nous donner les meilleurs conseils. Il marche avec nous pour nous donner la force de sa présence, pour reconnaître l'amour éternel. Nous prions à la vie, à le Créateur, pour les donner la force de nous guider, pour les donner la force pour continuer en marchant avec nous, en accompagnement. Nous sommes la force créatrice. À chaque pas, les mémoires de qui nous sommes, de notre essence, retournent à nous. À chaque pas qui nous reconnaît notre essence,
l'essence de la transformation. Nous sommes ouverts à l'espoir de toutes les dimensions. Nous sommes ouverts à la communication avec des êtres, des consciences meilleures. Nous sommes ouverts à la sagesse ancestrale, à la sagesse de notre intérieur et à la voix de notre cœur, à la voix de notre volonté sacrée, la volonté de la vie qui demande les expériences, toutes les expériences, pour nous reconnaître, pour nous reconnaître. L'expérience en chaque respiration. L'expérience de nous-mêmes en chaque voyage, en chaque pas, en chaque repas. Quand nous sommes à la maison, à le jardin, c'est le voyage de nous-mêmes. Dans la terre, dans la vie. Le voyage est la vie. Et c'est le voyage pour nous reconnaître. Pour arriver à la compréhension de le meilleur mystère de la vie. Nous-mêmes, pour arriver à la compréhension de toi-même, de le Créateur qui s'exprime à travers de toi-même, de l'amour qui s'exprime à travers de toi-même, de la lumière radiante qui tu es. De la vie en transformation. Laisse partir toutes les chaînes, tous les attachements. À tes vieilles idées sur toi-même. Arrête de prêter de tes préjugés et de préjuger le monde autour de toi. Tu as de vider la tasse pour permettre que les nouvelles émotions que la nouvelle vie arrive à toi, que les nouvelles expressions arrivent à toi. Comme un enfant, la joie arrive à toi, toujours. Arrête de t'accrocher à un passé. Que c'est une expérience déjà, que tu as traversé déjà. Arrête de porter toutes ces pierres sur ton dos. Dépose les pierres sur les chemins pour la continuation de ton voyage de la vie. En plein liberté. Tu nous de tes idées de toi-même pour te découvrir.
pour les meilleurs découvrements de la vie. Découvrir l'amour en toi, découvrir toutes les possibilités de toi. Le meilleur créateur de ton univers, le créateur en toi, la vie qui s'exprime en toi. Ça, c'est le but de ta vie, ça, c'est ta mission de vie, la mission de te découvrir. C'est la meilleure joie de notre vie. La joie de la renaissance. La joie de la transformation complète en nous. À chaque instant, à chaque respiration, en chaque émotion, les graines de maïs qui s'ouvrent, qui est morte pour donner l'opportunité de ta nouvelle expression humaine. Amen.